les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo prédilection de Marseille Auxerre. Je fais un match avec on espère gagner le même score, mais en tout cas gagner. Peut-être pas le même score, mais au moins gagner. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Il frappe. Il y a un peu Auxerre. La proposition de l'OM, gardien de but Paulo Lopez, Matteo Guendouzi sera. Les gars, j'ai une playlist avec son but et j'ai aussi celui d'Auxerre. C'est parfait. C'est une guise d'Abner qui peut ouvrir. Non, c'est une guise, pas comme ça. Ça, c'est un super je me prends un lobe. Reste à savoir à quoi... Oh, c'est dangereux ça, attention. Le but semblait tout fait. Et en fait. Il est malheureusement manqué le duel. Les gars, pas faute. Auxerre qui va aller centrer. Les gars, ils sont quand même en professionnel. Si je me prenais le but, c'est normal. Anis qui peut aller centrer. Peut-être un bon décalage sur Hugo ce qui est là. Attention, c'est dangereux. Mais c'est pas le réflexe. Corner. Nouveau centre pour le Marseille. Ça corner bien joué. Et là, je joue calme comme d'habitude. Et la balle captée sans difficulté. C'est dur de marquer. Hein. Ouais, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et nous placé pour conclure peut-être. Et oui, but. Déjà 1-0, ça part. Très fort. Red Bull donne des ailes. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. La fille, Yannick, qui va à l'OM, de toute façon, il est parisien. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Mathias Autré. Ouais, facile, ça passe. Alors, jeu de pas grand chose. Ah non, ce ballon est complètement perdu. Un but de Marseille qui vont se projeter avec Hugo. Très bonne progression, balle au pied. Allez, la bonne parade du gardien. Ça va être dur pour l'Olympique de Marseille qui ont beaucoup d'occasions, mais qui n'ont pas réussi. Caboret hérite du ballon. Caboret qui perd le ballon. On ne sert pas à avancer. Auxerre qui avance tout doucement, mais sûrement. Oh. Oh, le joueur de Auxerre qui a raté le ballon. Ah oui, c'est réussi. C'était l'occasion de retrouver encore un peu plus de l'écart. Et voilà, c'est fait. Deux buts d'avance au tableau le ballon au fond des filets. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. T'as peur, beauté. Oh, oh. Et le gardien s'en saisit, c'est bien joué.
Oui, c'est bien, Allez! bien joué. Allez, récupère le ballon, Ah, la menace le est Marseillais, derrière, la voilà! Récupération décisive. Ah, le porteur est sous pression. Très bonne couverture du ballon. Non, Auxerre. Marseillais en ont dribblé Auxerre. Ah, ça part très bien. Et le gardien s'illustre bien. Les gars, premier corner pour Auxerre. Un corner qui est bien ajusté. Ah, ce ballon ne donne rien. C'est pour le gardien. Non, non, Auxerre qui rate. Le gardien de l'Olympique de Marseille veut faire son malin. En bonne position. Non, je vais faire le malin, les amis. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Non, on arrête de jouer malin. Pierre Amatouré. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Elle la frappe, attention. Elle a raté le ballon. La frappe ratée. Ender. L'action s'arrête là. Ender qui sait prendre le ballon. Caboré. Caboré qui peut aller reprendre le ballon. Une occasion de contre à négocier. Oh, c'est Samuel Gigo qui la reprend. Danger. Hugo. Guendouzi. Guendouzi. Guendouzi qui peut avancer, qui n'y arrive pas. C'est piqué le ballon par Auxerre. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. C'est dur pour le Marseillais. Mathias Autret. Pierre Amatouré. Quoi? Non mais y'a pas hors-jeu là. Un peu la voix des abonnés, dis-le qu'il y a pas hors-jeu. Tiens les commentaires, y'a pas hors-jeu, c'est dur. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Quel ballon dans le dos de la défense. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Il s'est mis en position, ce qui a permis de bouger les angles des frappes. Le corner. Le ballon est bien frappé, mais ça sort en sifflet. Et tiens, le Tavares qui a failli faire un match. Le Tavares qui a failli délivrer les deux points d'écart. Mais on va rester là. Hugo, on l'a vu. Oh! Y'a qui a marqué? Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. 2-1 contre Auxerre. C'est reçu, il y a des solutions. Et oui, le but du break. Voilà, c'est fini. Le ballon. Il
de Tavares qui veut se venger de ce but qu'il n'a pas mis tout à l'heure. Et non, il n'arrive pas à passer la défense d'Auxerre. Par contre, il reprend le ballon. Nuno Tavares. Un bon contre à jouer, peut-être. Non. Allez, Paul Lopez qui peut aller défier le. Qui prend le ballon. Très bonne sortie et surtout un excellent timing sur cette intervention. Ah là là, la mauvaise passe. Oh la passe. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Putain, vas-y. C'est bien fait, sans difficulté par Paolo Lopez. Ah, ce ballon qui est perdu. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Et le carton jaune reste dans la poche de l'arbitre sur cette séquence. C'est plutôt ce qu'on appelle la stratégie de la pédagogie qui semble privilégiée. Il va falloir se tenir à carreau. Et ce ballon est finalement intercepté. Ouais, la bonne intervention. Touche. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le ballon finit dans leurs pieds. Calmez-vous là. Oh. La faute signalée par l'arbitre et attention parce que personne t'avait mangé. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon ami. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. C'est récupéré. Oh, non. La récupération des Auxerre, ça ne va pas se passer comme prévu. Close. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Et le ballon change. Voilà. Ils ont pris sur le défenseur. Même je vais faire une de propriétaire. Mbaye Niang avec le ballon. Ah, la passe est complètement loupée. Nuno Tavares. Mbaye Niang avec le ballon. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Le ballon en touche. Arrêt de jeu, et c'est donc le des changements pour les deux équipes. Dépossédé du ballon. Yang. Mbaye Niang de nouveau. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas du tout la puissance. Ça partait comme un bruit canard. C'est pas vu. Et voilà une bonne récupération là. Ça fait mal à paillettes.
Ou Payet qui a mal à vie. Possédé du ballon. J'ai à peine entré, il y a déjà mal, il est déjà blessé. Non, il faut pas blesser Hugo quand même, il a peut-être des ligaments croisés. Ballon pour retrouver la possession. Une balle jouée en profondeur. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. C'est contré. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute et donc pénalty. Ah, le ballon intéressant. Et le but, c'est son troisième du match. Le coup du Japon, inarrêtable. Quel phénomène. Alors, revoit la mission, la passionnité, et bien, très souffert à l'équipe de l'adversaire. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est passé. Nyang. Saki. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Les gars, on verra un match avec les filles une fois. Hugo qui a failli marquer son quadruplé. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah oui, une bonne couverture là, on soutient. Le ballon est récupéré. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Un corner qui est bien ajusté. Et un corner qui finit directement sur le gardien. Oh, Yannis qui est là seul. Quand les buteurs reviennent, Hugo ne pourra pas marquer cette attente. Oh. Eh ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. L'arbitre s'approche mais ne sanctionne pas. Il garde le carton dans son petit écran. C'est bien connu, l'arbitre a toujours raison. Enfin, presque tout le temps. Et le ballon passe à plusieurs mètres du but. Un coup franc complètement mal. À toutes les bonnes esprits, Hugo. Ciao, c'est qui le ballon? C'est Hugo, du coup, arrêtez de me juger à l'école, là, des abonnés qui sont dans mon école, là. À toutes.